Good night. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait un bon bout de temps, je sais que j'ai pas vlogué, mais comme vous savez, on était en vacances avec les enfants, donc j'ai vraiment profité la première semaine avec les deux grands et la deuxième semaine avec du coup les trois, vu que Maïlys était en vacances. J'ai filmé aussi, mais j'ai pas mis en ligne les vidéos. On est parti à l'aquarium de Paris qui se trouve devant la tour Eiffel, donc du coup j'essaierai de vous inclure quelques scènes dans cette vidéo. C'est magnifique, on a vu les requins et tout, mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de faire les montages. Les requins, Maïlys? Waouh! Waouh! T'es avec les requins, Maïlys? Ouh là là! C'est beau, hein? Allez, zen, Maïlys! Zen, zen!
franchement, ça faisait longtemps que j'étais pas partie à un aquarium et les enfants étaient très très contents. Sinon, hier, je vous ai posté une vidéo parce que franchement, j'ai pas eu le temps de faire les montages. Et j'ai plein de vidéos dans mon PC, ils attendent le montage. Donc j'essaierai de faire mes petits montages doucement, mais sûrement. Les journées passent très très vite et c'est vrai que pour vlogger, ensuite faire les montages, c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de me remotiver à vlog pour bien vlogger comme avant, mais bon, je vous promets rien. Donc ce matin, j'ai fait des muffins éclats de chocolat au lait ou chocolat noir, je sais même pas, c'est de chocolat au lait. Donc les enfants, ils aiment beaucoup ça. Donc si vous voulez voir la recette, ben, je vous la mets de suite. Donc j'ai tout filmé, c'est parti, je vous mets la recette de ces muffins au chocolat. Alors, pour les ingrédients, il vous faudra 120 g de sucre en poudre, 150 g de farine, 3 œufs, 120 g de beurre fondu, donc je vais aller le faire fondre au micro-ondes, une cuillère à soupe d'amandes en poudre, donc ça fait à peu près 10 g, ou sinon de l'arôme vanille, mais moi je vais mettre les deux. Ensuite, des pépites de chocolat, ou sinon un carré de chocolat noir, ou bien du Nutella, un sachet de levure chimique, un fouet, un bol, des caissettes et un moule pour les caissettes. Allez, c'est parti! Je viens verser mes 3 œufs. Plus le sucre en poudre. Je mélange le tout. Verser un sachet de levure chimique dans la farine. Et mes amandes en poudre. Je mélange un peu. Je viens verser le tout. Je mélange. Le beurre fondu avec un peu d'arôme de vanille. Je verse ma préparation dans un verre mesureur. Bien poser des caissettes dans le moule à cupcake. Ensuite, je viens verser un petit peu de ma préparation dans les caissettes. Je viens ajouter un petit peu de pépites de chocolat. Allez hop, au four. Donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés pendant 10 minutes. Et là, je vais laisser à 180 degrés pendant 20 minutes. Et voici le résultat, donc j'ai pu faire 16 muffins avec les ingrédients donnés dans cette vidéo. Alors, si vous n'avez pas des pépites de chocolat, vous mettez du Nutella au milieu. Franchement, c'est très très bon aussi. Plus les enfants grandissent, plus ils me réclament des gâteaux maison. Donc, je suis bien contente. Auparavant, voilà, ils ne mangeaient pas vraiment les gâteaux que je faisais. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils sont très compliqués en nourriture, mes enfants. Mais là, ça va mieux. Donc, je suis bien contente. Donc, ensuite, hier, je suis partie chez Cora. Il y avait les promos beauté Cora. Donc, merci à ma petite Cécile qui m'a notifié sur Instagram en MP. En plus, hier, j'ai reçu un autre message de Carrefour me disant qu'il y a aussi les promos beauté chez Carrefour. Donc, on verra bien. Il faut que je regarde le catalogue. Donc, du coup, je vais vous montrer de suite les produits que j'ai achetés hier. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc ce matin, je suis partie chez Cora. En ce moment, il y a la semaine beauté Cora. J'allais dire Leclerc, mais c'est Cora. Donc merci à ma Cécile. Ouais, c'est Cécile de m'avoir notifié sur Instagram. En MP, elle m'avait dit, Belma,
Le 19 commence la semaine beauté chez Cora. Donc merci déjà pour tous vos messages que vous m'envoyez personnellement ou sous mes photos ou sous mes vidéos. Déjà merci pour tout ça, merci de votre soutien. J'ai voulu tester plusieurs produits que j'ai pas testé, donc voilà. Et j'aime bien quand ils sont en promo. Voilà, au moins même si je suis dégoûtée, je l'ai pas payé cher. Merlich. Premier produit que j'ai acheté, donc c'est un conditionneur de la marque Herbal Essence. J'ai jamais testé cette marque. Donc ça sera une grande première pour moi. Il y a de l'argan, l'huile d'argan du Maroc. Donc ça, ça a testé. Je verrai bien s'il est bien ou pas. Et l'odeur, ça va. Hein. J'ai pris du savon pour les mains. Donc c'est la promo, c'était 2 achetés, 1 offert. Donc celui-ci, c'est pour peau sensible à l'extrait de l'huile d'amande douce. Voilà. Le deuxième, c'est fleur d'oranger. Et le troisième, c'est à l'huile d'argan. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris le... C'est un soin de la marque Fructis. Donc c'est un masque lissant. Donc celui-ci, je l'ai déjà présenté plusieurs fois. 98% d'origine naturelle. Et moi, je prends macadamia. Vous avez d'autres odeurs et tout, mais celui-ci, on aime bien. Et j'aime bien... J'adore. J'aime bien appliquer ce soin sur cheveux secs, sur cheveux pas mouillés, sur les cheveux de Maëlys. Vu que sec, elle a les cheveux les plus frissés. Ou sinon, l'appliquer après son shampoing. Et comme ça, elle garde ses jolies boucles. Donc, voilà pour ça. J'ai pris de la marque Garnier. Donc, c'est Pur Actif Charbon Masque Peel-Off Anti-Point Noir. Celui-ci, on ne l'a jamais testé. Enfin, de la marque Garnier. J'ai testé d'autres marques, mais pas celui-ci. Donc, on verra. On vous fera une petite revue sur ce produit. Et pour l'accompagner, j'ai pris carrément les patchs. Voilà. Donc, ça, ça sera plus pour mon fils. Ouais. Parce que là, il est en train de grandir. Il commence à avoir des points noirs, donc mieux lui prendre un petit patch. Moi j'utilise l'autre marque, je sais plus c'était quoi la marque, mais je l'ai pas vu à Cora. Comment ça se fait? À la base, je suis partie pour acheter l'autre marque et j'ai pris du Garnier, mais c'est pas grave, je vais tester celui-ci et j'irai chercher le mien. Je sais plus comment il s'appelle le mien. Bon, bref, j'ai pris du gel douche, donc ça, c'est la première fois que je le vois. C'est Biofa Nature Bio Gel Douche à l'aloe vera bio. Adoucissant, et c'est une odeur abricot. Donc c'est un 400 ml. Voilà, voilà, c'est à tester. Du coup, j'ai pris un autre parfum, fruit de la passion. Donc ça, je les ai pris plus pour les enfants. Voilà, c'est pas 100% d'origine naturelle, mais bon, c'est 98%, je crois, il me semble. Je sais pas, je l'ai lu où. Ah voilà, 97% du total est d'origine naturelle, 10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est à tester. Donc ça, à tester, on verra bien. Voilà. J'ai pris ça pour les garçons de la marque Adidas, c'est du gel douche. Donc je ne les ai même pas sentis. J'ai pris au pif, mais bon, a priori, ça sent bon. Moi, ça va, ça sent bon. Même celui-ci, je pense qu'ils sont bons. Ouais, ils sont très bons. Parce qu'ils en ont marre de se laver avec nos gels douche. Donc, je leur prends ça. Donc, j'ai pris un lot de gel douche de la marque Fa. Donc, celui-ci, c'est à l'huile de macadamia, fleur de moringa. Donc, celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Ça sent très, très bon. Voilà, donc ça, ça sera plus pour moi. Et mes petits Ushuaïa. Ils étaient à moitié prêts au ciseau. 3 balles, voilà quoi. J'ai acheté ça la dernière fois où? Chez Carrefour, ouais. Bah, j'en ai déjà plus. Voilà. Ensuite, j'ai pris du dentifrice sans sodine parce que mes gencives en ce moment, je te raconte pas, ils sont bien gonflés. Donc on va tester celui-ci. Voilà, voilà. Donc pour Clara, j'ai pris... Bah, je sais pas, normalement celui-là c'est pour garçon. Je trouve pas écrit fille ou garçon, c'est bizarre. Mais bon,
mais ça sent très bon les deux. Par contre, l'argent venait directement sur votre carte Quora. Il est à moitié prix. Au 4 euros, par exemple, il est à 2 euros quoi. Voilà, voilà. Donc ça, Clara, elle adore ce genre de parfum. Mais ça, c'est mixte. Ça sent trop bon. Je pense que c'est pour filles aussi. J'ai beaucoup aimé les deux senteurs. Ensuite, j'ai pris un lot de masques. J'ai pas pris beaucoup. Ouais, un, deux et un conditionneur. Ouais, ça va suffire. Non, je pense pas que ça va suffire. Il faut que je repars faire un petit stock. Donc, j'avais plus de masques. On a beaucoup d'après-shampoing, mais bon. On est trois filles à la maison avec les cheveux longs, bouclés, frisés, tout ce que tu veux. Donc, j'ai pris ça pour les filles. Lisse intense, masque disciplinant. Voilà, j'aime bien la marque Elsève. Le rouge, c'était plus pour cheveux colorés, méchés. Donc, j'ai pris le orange. Et j'ai pris 4 make-up. Donc, le premier. Donc, depuis le temps que je voulais tester ce fond de teint, je l'ai pris aujourd'hui. Donc, c'est Accord Parfait fond de teint. Donc, moi, j'ai pris le beige. Donc, j'espère que ça va aller. Si vous avez déjà testé ce genre de produit. Mais j'entends beaucoup parler de ce produit en bien. Donc, on verra bien. J'ai pris, bah, comme d'habitude, c'est mes rouges à lèvres fétiches. Donc celui-ci, c'est le 15 de la marque Maybelline. Ouais, c'est Maybelline New York maintenant. Super Stay Matte Ink. Donc moi, je prends la teinte numéro 15. Et là, du coup, je veux tester la teinte numéro 80. Donc il est un peu plus foncé que celui-ci. C'est pas la même, hein, ne vous inquiétez pas. Ça va être un chouïa plus mat. Déjà celui-ci, il est déjà foncé. Donc je pense qu'il sera un peu plus foncé. Et dernier produit, donc c'est nouveau. C'est un rouge à lèvres mat de la marque L'Oréal Paris. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc regardez bien. Le petit pinceau, c'est comme les Yves Saint Laurent là. Donc l'embout est bien pointu. Donc pour tracer, c'est nickel. Donc c'est celui que je porte, je l'ai testé tout à l'heure, donc je vais tester si c'est un non-transfert ou pas. Donc à moitié. Mais en dessous j'avais un peu de crayon à lèvres. Non, ouais, bof. Donc je verrai demain. Par contre au début quand vous l'appliquez il est très frais, il est liquide, donc je me suis dit c'est pas un non-transfert. Mais en fait quand il sèche, ouais c'est un non-transfert, c'est bizarre. En plus, on dirait que je prends pas de matière sur le pinceau, donc c'est bizarre, trop bizarre. Ouais, c'est très très frais, hein. C'est trop bizarre, mais ça me fait trop penser au pinceau d'Yves Saint Laurent. Même l'application, ça me fait penser au Yves Saint Laurent et puis au Bourjois, rouge à lèvres Bourjois. Où c'est assez frais au début et liquide. Donc depuis le temps je voulais tester ce produit. En plus il était la dernière fois sur la plateforme Ivancy, mais il était en rupture de stock. Donc là je me suis dit tiens, pour 5 euros on va le tester, on verra bien. J'ai pas acheté de shampoing parce que j'en ai. Vu qu'on utilise du shampoing sans sulfate, j'ai toujours le shampoing Schwarzkopf que j'avais acheté chez Nose à 3,50 €. D'ailleurs j'aurais dû acheter tout le rayon parce que voilà, j'aime trop ce shampoing, on aime trop ce shampoing. Thank you.